Ministre, la parole est à Monsieur Yves Sensi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, je voudrais vous remercier de respecter l'Assemblée nationale en évitant les gestes de mépris à l'égard de l'opposition lorsque vous prenez la parole. Hier, le Président de la République nous a gratifié d'un véritable discours de repentance pour dénoncer ses propres décisions, des décisions mauvaises et prises par lui depuis bientôt 2 ans. Celles et ceux qui se poussent des coudes pour entrer dans son prochain gouvernement se disputent pour qualifier le soi-disant « nouveau Hollande ». Serait-il social-démocrate ou plutôt social-libéral? Mais quelle indécence, alors que le candidat Hollande nous avait promis la révolution fiscale et que le président Hollande doit faire face à la révolte fiscale. Quelle indécence lorsqu'on sait que le pays marche au bord du précipice, asphyxié par un matraquage fiscal jamais connu dans l'histoire et par une situation de l'emploi catastrophique avec 3,3 millions de chômeurs. Mais au-delà, il est un aveu beaucoup plus préoccupant qui a été fait hier par le président de la République. Il a reconnu ne plus disposer d'une majorité, d'une vraie majorité pour gouverner. En effet, il a annoncé l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son pseudo-pacte. Cela signifie que vous avez décidé de bâillonner les députés du PS. Le président de la République a pris acte du fait que M. Leroux n'était plus capable de faire voter son propre groupe. Irez-vous jusqu'à utiliser l'article 49.3 de notre Constitution? Messieurs les donneurs de leçons, sachez que jamais, sous le précédent quinquennat, le gouvernement n'a eu recours à une telle arme contre sa majorité. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. Vous avez déjà perdu la confiance des Françaises et des Français. Avez-vous encore les moyens politiques de gouverner? Avez-vous encore la confiance spontanée d'une majorité de députés? Avez-vous encore une majorité pour tenir vos nouvelles promesses et gouverner à la hauteur des enjeux de la France? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici. Monsieur le député Yves Sensi, je voudrais commencer peut-être par un rappel, puisque vous vous tourniez vers le groupe socialiste, c'est que le seul groupe politique qui s'est divisé en deux dans cette Assemblée, c'est le vôtre. Et on se souvient bien des circonstances. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tout est déjà arrangé. Et par ailleurs, en vous écoutant, je me disais que vous auriez pu écouter davantage ce qu'a dit le président de la République. Vous auriez pu suivre ce que disent vos collègues François Baroin, Bruno Le Maire, Jean-Louis Borloo ou Jean-Louis Raffarin, qui considèrent tous que la démarche qui a été proposée hier par le président de la République est utile pour le pays. En vérité, vous êtes embarrassés, vous êtes divisés et vous vous réfugiez dans une critique stérile qui n'a aucun intérêt. Vous auriez mieux fait vraiment d'écouter ce qu'a dit le président de la République. C'est une politique qui est tournée vers les Français, c'est une politique qui est tournée vers l'emploi, c'est une politique qui souhaite l'accélération pour la croissance dans ce pays, c'est une politique d'engagement européen, c'est une politique qui souhaite que la France soit au poste de pilotage de l'Europe avec une relance franco-allemande, c'est une politique qui propose un grand compromis social qui mobilise tous les acteurs de la société. C'est une politique de réforme. C'est une politique qui fait le pari de l'entreprise. C'est une politique qui mérite d'être soutenue. Il y a un rendez-vous qui a été fixé. C'est un engagement de responsabilité du gouvernement autour du pacte de responsabilité. Je n'ai pour ma part aucun doute que la majorité sera là. Et puis, qui sait, peut-être réfléchirez-vous et vous diviserez-vous à nouveau, mais cette fois-ci positivement pour la France.